c'est pas bien. Oh, mais moi, je croyais que c'était complètement éradiqué, cette affaire. Je croyais que ça n'existait plus. Pas chez nous, quand même pas en France, on a pris. Si, chez nous aussi. Les bras m'ont tombé, il y a l'air de plus, si vous. N'oubliez pas que vous n'avez qu'un CDD. Géraldine. Géraldine. Arrêtez de faire cette tête. Pensez aux gens qui vous regardent. Vous trouvez que vous avez un abord agréable? Que vont dire les clients? C'est pas facile de rester seul à rien faire à la maison. Larivette! Vous n'avez pas à avoir honte! Vous n'y êtes pour rien! Je suis déjà large et compréhensif. Quand vous avez pris 5 jours l'an passé, rentrez dans votre mari. J'ai fermé les yeux. D'ailleurs, je ne peux pas me joindre au Westland. Il y a un bruit de couloir qui court, comme quoi vous s'en sortez l'hydromique. C'est un bruit, certes, et je n'écoute pas les ragots. Mais il y a l'air de fumer sans feu. Jean-Jacques, ça va mieux? Ça va mieux? Vos hémorroïdes, ça va mieux, oui ou non? Ah ben voilà, dites-le! On se préoccupe de votre santé, c'est tout. Ne soyez pas si susceptible. Après tout, il serait peut-être temps pour vous de faire votre coming out. Vous n'avez pas des hémorroïdes pour rien. Est-ce que ta bouche, tu baves? C'est des médicaments, les neuroleptiques? Ça fait pas propre, hein? Enfin bon, faut bien se soigner, hein. Le principal, c'est que l'amour. Certains d'entre vous auraient tendance à répondre oui, comme des imbéciles, d'autres à dire non, comme des cons. Eh bien, la bonne réponse, c'était non. Bravo les cons, vous pouvez vous accomplir. Oh ben non, je suis pilote. C'est pas de ta faute. Tout le monde n'a pas l'instinct maternel. C'est pas de ta faute si t'es une mauvaise mère. Après tout, qu'est-ce que vous faites pour susciter l'envie d'avoir besoin? Voilà les autres, prenez exemple. Philippe a suscité l'envie d'avoir besoin en créant tout simplement l'illusion du désir d'avoir envie. Alors comment se fait-il que Philippe, qui n'est pas plus malin que le commun des mortels, a su créer le besoin de l'illusion du désir d'illusion, alors qu'en le même laps de temps, vous régressez dans tous les autres secteurs, allant jusqu'à donner le désenvie du besoin d'avoir envie d'illusion chez le consommateur, chez vous? Martine, levez le doigt, Martine. Martine. La concurrence. Le vilain mot. Martine, si vous vous écoutiez pas, vous cesseriez pas. Mais quand on est, qu'on se sent inutile, c'est normal de ne pas avoir le moral. Mes enfants vont bien, ça va. Au début, j'avais peur qu'ils te réclament sans cesse, mais non. Bon, au début, un petit peu. Mais quand je leur ai dit que tu étais mort, ils ont été rassurés. Vous comprenez que depuis que maman est partie avec ce vilain monsieur, papa ne peut pas être partout. Alors bien sûr, tout aurait été plus simple si j'avais été collé par une femme douce, gentille, une maman dévouée à ses enfants qui les aime. Enfin, les enfants, ne comptez pas sur moi pour dire du mal de votre mère. Et surtout, les enfants, quoi qu'elle ait pu faire, ne la jugez pas trop durement.